découverte d'LT, qui avait pour objectif donc de me fournir l'alimentation pour mes animaux dans les périodes critiques, quand les prairies ne poussent plus. Parce que faut toujours donner à manger à nos animaux. Et donc, on a plusieurs options. La première, c'est de faire du stock sur pied, sur les prairies. Donc, en fait, on laisse pousser la prairie. Donc on a du très avancé qui est venu à graines, qui sèche, mais on a au pied du vert. Donc ça peut être intéressant, sauf que toutes les prairies ne sont pas capables de le faire, et surtout en soleil. Donc voilà, donc j'en ai une partie où je peux le faire, mais pas partout, et donc ça ne me donne pas la possibilité de faire manger tous mes animaux sur ces prairies-là. L'autre option, c'est de donner du foin. Donc ça peut être une bonne option aussi, mais le foin, il faut que j'en garde aussi pour les périodes hivernales, qui sont aussi des périodes qui peuvent être des périodes critiques. Et donc l'autre possibilité, c'est de produire à manger grâce à des plantes qui sont capables de pousser dès la fin de printemps, début d'été, qui sont capables de produire de la biomasse comme on voit là, et qui sont hyper appétants pour les animaux. Et donc l'objectif là, c'est d'engraisser les agneaux sur une diversité de couverts. En fait, leur ration alimentaire, elle n'est pas simplement que de l'herbe, voilà, de l'herbe de prairie. Ce qui permet aux animaux d'aller choisir, d'aller glaner ce qu'ils leur souhaitent. Alors je leur fais comprendre aussi que c'est il faut manger tout, voilà, qu'on ne gaspille pas. Et donc ça permet aussi à la viande d'avoir un goût particulier, une saveur particulière, parce que en fait, ils mangent plusieurs choses en même temps, quoi. Donc là, on a ce qu'on appelle du moa et du millet mélangés. Donc ça a énormément souffert cet été, mais je suis plutôt satisfait d'avoir ça en ce moment. Donc les animaux pâturent ça, ils pâturent du sorgho sucrier. Enfin, c'est une base sorgho sucrier. Donc là, c'est très appétant. Et puis derrière, j'ai d'autres cultures. Et puis j'ai une bande où j'ai rien cultivé parce que je me suis coupé avec ma semence. Et en fait, là-haut, c'est plutôt des kénopodes qui poussent. Mais c'est pas grave, parce que les animaux aiment ça aussi. Donc des fois, on se fait suer à semer des choses. Et la nature apporte des fois des plantes intéressantes, qui ne sont pas forcément intéressantes pour la culture, pour l'agriculteur céréalier que je suis aussi à côté. Mais pour les animaux, le kénopode, c'est un quinoa, c'est la famille du quinoa. Et donc, c'est assez énergétique aussi pour les animaux. Donc voilà, en fait, elle me désherbe en même temps la partie que j'ai loupée. Les animaux sont super contents. Là, j'ai encore plus d'un mois, de stock sur pied. La parcelle fait environ 4 hectares et je la dédie exclusivement pour l'instant aux animaux. Mm-hmm. Parce que ce sont eux qui vont me reconstruire le sol. Il est très dégradé. Donc j'intensifie la production de biomasse et je fais pâturer. Donc là en fait les animaux sont sortis le week-end dernier, donc dimanche dernier, et lundi je suis venu ressemer tout de suite un autre mélange pour avoir en fait de la biomasse durant l'hiver pour protéger mon sol, fournir du vivant dans mon sol et avoir la possibilité de faire pâturer ça en sortie d'hiver au printemps, au début du printemps, par mes animaux. Donc ce sera soit les brebis, soit les vaches, je verrai, mais en tout cas je sais que j'aurai du stock en sortie d'hiver. Donc là il y a quelque chose qui pousse là, tu peux alors nous montrer? On commence à voir des endroits, faut trouver les endroits. Là par exemple, voilà, donc là ça c'est du seigle. Donc il a été semé lundi, on est samedi. Et donc le seigle commence à lever. Il y a même là des indices. Là, il y a des corbeaux qui sont venus essayer de m'en prendre, les chameaux. Et à côté de ça, on a ici, là, ça c'est du trèfle incarnat. Donc j'ai semé un mélange de triticale et de trèfle. Donc une ration diversifiée aussi pour mes agneaux ou pour mes vaches. Ce qui va me permettre de garnir le sol durant l'automne et au printemps. Et encore une fois, c'est de l'alimentation stratégique au printemps. Alors au printemps, il y a les prairies aussi qui repoussent. Donc je pourrais aussi très bien les remettre sur les prairies. Sauf que cette année, avec la grosse sécheresse qu'on a eue, les prairies sont en très mauvais état.
Là, on a eu de l'eau significativement, là, ces derniers temps, où on a eu 25-30 mm, mais jusqu'ici, il n'y avait rien eu. Donc, elles prennent du retard à repartir. Et si jamais on a un hiver tardif, qui se prolonge, on risque d'avoir un redémarrage de la prairie qui va se faire difficilement au printemps. Et donc, je n'aurai pas forcément une bonne biomasse à démarrer de bonne heure sur mes prairies. Donc, il faut que j'aie à manger pour mes animaux, parce qu'en plus, à partir du 15 mars, j'ai l'agnelage. Et donc là, c'est stratégique pour donner du bon lait pour les agneaux, pour que tout se passe bien. On va être sur des pics de lactation fin mars, avril, et donc c'est des périodes vraiment très importantes pour que les animaux profitent bien, qu'on ne mette pas en stress les brebis aussi, qu'elles restent en bon état. Donc là, je parle pour les brebis en l'occurrence, mais pour les vaches, ça va être pareil, puisque les vêlages vont être un petit peu plus tardifs. Ça va être à partir, on va dire, de début mai, fin avril, début mai. Et donc là aussi, il va falloir que je jongle sur les disponibilités en biomasse. Alors, je fais du pâturage dynamique sur les prairies, mais en Sologne, du pâturage dynamique, c'est très délicat à mettre en place, de par les problèmes de qualité des sols. Ça va venir petit à petit, mais voilà, pour l'instant, c'est un peu plus difficile. Donc, je compte surtout sur le ressemi. Le ressemi est dynamiser ce qu'on appelle les flux de matière organique dans le sol, pour que le sol, après, nous le rende bien. Ah oui, je ne connais pas. Voilà. Doucement. Allez, t'es là et mets voir. Allez, doucement. Doucement. Allez, venez. Voilà. Tout le monde est calme, ça va bien. Viens. Mais viens, viens toi. Prends douille.